Eh bien, bonjour Vincent, comment, comment vas-tu Salut Fred, ça va et toi Bonjour à <laughs> tous Impeccable. Donc, euh, bah déjà, dans le chat, vous pouvez euh, vous manifester, savoir si vous entendez euh, le son, si vous avez la vidéo, le son. Normalement... Euh... Aïe, ah, yeah, ok. Merci Anne. Est-ce que le son est bon Dites-nous si on... vous nous entendez bien tous les deux. Vincent, as dit bonjour dans le chat j'ai dit bonjour, c'est moi. Est... Ouais. Vincent quelqu est quelqu'un de poli. J'essaye d'animer même dans le chat. <laughs> Et on compte sur vous pour faire la même chose. Bon, bon bah, c'est fr... bien. Eh bah, bien, Fred, ça va toi bah, Écoute, euh, pas de problème. Tu as vu toujours le même sweatshirt. Eh hein. bah, bien, cool. Ça te va très bien. Merci. <laughs> bien, les amis. Euh, bah, écoutez, déjà, euh, bienvenue. Euh, on est, on est content d'avoir euh, beaucoup de personnes. Alors, on a 60 personnes déjà. C'est très, très bien. Peut-être que d'autres personnes vont arriver. Euh, je vous propose, avant que tout le monde arrive, euh, peut-être de vous faire jouer à un jeu très intéressant. C'est le jeu du sondage. Alors, on va vous demander. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait leur demander, tiens, Vincent euh, Bonne question. Euh, bah, <laughs> quel est votre profil, par exemple Yes. Donc que normalement. En <laughs> ouais. Donc euh, on va vous demander quel est votre profil. Allez, ça y est, ça commence à réagir. Ah, Allez ça bien, va, les amis. C'est bien. Merci le chat. Donc euh, voilà, vous pouvez cliquer sur interaction. Et il y a six dessinateurs projeteurs Vincent. Hey, mal, non pas mal, pas mal. Il y a des, beaucoup de décorateurs d'intérieur. Yes. Et eh bien, c'est bien tout ça. Après, on pourra relancer le sondage. Euh, parce que là, je l'ai mis à 30 secondes. C'était un peu rapide. Ah, 30 secondes, ouais. Ouais, bon. Bon, bon. déjà, il y, une, il y a une tendance, cher ami, qui se, qui se profile. On a euh, 17 décorateurs d'intérieur, 6 architectes et euh, 13 dessinateurs projeteurs. Ouais. Et des étudiants. Tiens, on a trois étudiants. Salut les étudiants. Salut les particuliers. Il y a trois particuliers. Donc, euh, c'est donc très bien. Donc, je pense qu'il y a des gens qui, euh, qui sont là peut-être hein, pour euh, savoir euh, si leur logiciel de dessin leur convient ou si euh, bah, ils aimeraient en changer. Alors, on va commencer. Euh, donc, euh, déjà, euh, je vous présente cette petite slide, chers amis. Voilà. Donc, on est bien dans un webinaire. Alors Vincent, je sais pas ce que tu en penses, mais euh, le mot webinaire c'est un peu racoleur. Euh, ouais. On est pourtant, il y a <laughs> des gens qui sont venus du coup, <laughs> c'est ça. Mais on va en proposer d'autres. La semaine prochaine, vous allez avoir un, un atelier. Allez, on, on dit plutôt atelier. Ouais, atelier, atelier participatif, collaboratif euh, sur euh, comment dé découvrir SketchUp. Donc ce qui est cool, c'est que avec Vincent, euh, quand on a, euh, on a lancé ce, ce webinaire, on s'est dit bah tiens, euh, on, va, on, va, on va solliciter nos réseaux respectifs. Donc on a ici des gens de mon réseau, des gens du réseau de Vincent et peut-être d'autres personnes extérieures. Et l'idée c'est que les gens, par exemple, qui font que du plan euh, sur AutoCAD, bah, puissent découvrir la 3D. On ne sait jamais, ça peut, ça peut vous intéresser. Je pense que ça va même vous intéresser beaucoup. Et dans deux semaines, on fait le même concept d'atelier participatif en ligne, donc même type euh, comme du webinaire, où Vincent vous expliquera... Euh, c'est don sur AutoCAD. Donc, euh, les gens qui veulent en savoir un petit peu plus sur AutoCAD, et je sais que tu es un petit peu calé sur AutoCAD, bah, tu pourras. Carrément. Tout participer, euh, vous faire participer. Attention, ouais. le programme. T'as vu euh, Je pas lancé le, le jingle <laughs> musical, c'est con. <laughs> <j 'aurais> dû... <laughs> ah, faudra préparer ça. <laughs> c'est ça. Donc, on va commencer par se présenter. Euh, ensuite, on vous présentera ce qu'est qu Cadop Fusion. On vous présentera quel logiciel choisir, quels sont vos besoins, euh, si vous en avez, hein, si vous, vous voulez qu'on vous conforte dans le choix de votre logiciel, et eh bien, tant mieux. Euh, choisir SketchUp ou AutoCAD, euh, quel est le meilleur Qui utilise SketchUp, qui utilise AutoCAD Et surtout pour vous, je pense que le plus intéressant, donc c'est les démos, si vous ne connaissez pas SketchUp ou AutoCAD, on vous fera une petite démo. Euh, N'attendez pas à avoir un truc trop, trop perfectionné, trop développé, puisque justement... Dans une semaine, je vous fais moi, par exemple, sur SketchUp, une démo plus complète sur SketchUp, mais ça peut vous donner des idées. Et puis la, la, la démo de Vincent, et puis on compte beaucoup sur, sur les questions-réponses aussi. Donc attendez avant de poser vos questions. Il y aura vraiment euh, une partie qui, soit, qui sera consacrée à ça. Donc on y va. Monsieur Frédéric Lamy, c'est moi. Donc je et me oui. présente. Euh, donc, moi, je suis Fred Lamy. Donc, je suis formateur spécialisé et expert sur SketchUp. Alors, pourquoi euh, je suis expert sur SketchUp? Et parce que ça fait euh, une quinzaine d'années eh euh, que je, je m'intéresse à ce logiciel. Euh, je forme les gens. Je, fais, euh, je travaille aussi avec. Je, je fais des projets en architecture, en décoration d'intérieur, en collaboration, bien sûr, avec des indépendants. Et c'est vrai que le cœur de, moi, de mon métier, c'est la formation sur SketchUp. Alors, pourquoi j'ai choisi SketchUp? On y viendra après. Hein, et, et plutôt qu'un autre logiciel. Parce que, à la source, moi je suis graphiste et j'adore l'image, j'adore la pop culture, j'aime bien, bien tout ce qui est un petit peu fun. Euh, voilà. Donc j'adore le, le côté maquette, la, la mise en valeur d'un projet, et j'ai aimé explorer euh, plein, plein de petits logiciels. Et voilà. Donc, euh, donc voilà, donc, j'ai une chaîne YouTube, comme mon ami Vincent. On a une plateforme aussi de formation avec nos produits. Et puis, bah, que dire d'autre à part, euh, je, vais, je vais donner le micro à, à mon ami, là, Vincent, qui va se présenter. Eh ben, merci Fred. Je répondais à quelques euh, questions sur le chat, justement. Donc quel... je répondre cool. à, à quelques mails. Voilà. Donc bah, moi, c'est Vincent Caviotto, euh, je suis euh, expert euh, sur euh, AutoCAD. Donc euh, bah ça fait très 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 longtemps que je l'utilise euh, 20 ans en fait euh, depuis toutes mes études je l'utilise et c'est un logiciel que j'adore et c'est pour ça que bah, j'ai pas mal d'expérience dessus beaucoup de bureaux d'études donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup de dessinateurs projeteurs j'en fais partie en structure béton armé mais j'ai fait un peu de verdé j'aime bien m'intéresser à tous les tous les, les bureaux d'études, parce que vous êtes très nombreux, de la menuiserie aux escaliers, en passant aux ascenseurs, enfin, c'est vraiment très, très intéressant. Donc, déjà, merci d'être là. Pour ceux qui nous rejoignent, on est déjà 76, ça c'est vraiment top, hein, Fred. Donc, voilà pour la wow. petite présentation. Et comme le disait Fred. Dis Excuse-moi de te couper, Vincent. Euh, ouais, 76, c'est pas le, ton département euh, Non, moi c'est 38. Ok, <laughs> mais j'étais pas loin. J'étais hein. pas, pas loin. <laughs> <laughs> 38 x 2. Euh, ouais, qui sait Bon, allez, va vas-y, excuse-moi. C'est bon pour la présentation. Donc, euh, bah, en tout cas, on, <laughs> avec Fred, on vous remercie. Et comme tu le disais, Fred, ouais. il y aura une semaine, semaine pro de SketchUp. Donc, je vous, je vous remets le lien. Euh, en fait, on a créé avec Fred un lien cadeau de fusion, euh, okay. un site où en ouais. fait, vous allez retrouver la possibilité de vous inscrire au prochain webinaire. Voilà, comme c'est top. Et donc inscrivez-vous si vous voulez dès maintenant, bah, ouais. comme ça, vous n'ouvrez le pas euh, les démos de Fred et puis la semaine d'après, c'est Autocad. Les démos de Vincent. Et euh, en fait, on a fait une page, une petite page euh, internet. C'est tout frais. Hein. On l'a fait assez rapidement. Mais euh, du coup, là-dessus, ce qui est bien, c'est que vous avez euh, un petit résumé du un historique des webinaires. Et puis vous avez les principaux liens. Et sachez que je vous ai fait un petit support euh, PDF du webinaire. Vous pourrez télécharger avec un peu plus d'infos. Euh, voilà. Concernant euh, la création de plans, enfin pas la création de plan, mais quel logiciel choisir. Donc euh, voilà, alors CAD-UP Fusion, c'est quoi Eh bien, c'est là, euh, déjà, c'est la, la couleur de mon sweatshirt. T as vu On est raccord. Hein. Mais euh, c'est la fusion entre AutoCAD et SketchUp, d'où CAD-UP. Étonnant. Mais ouais, hein. trop bien. Euh, trop bien. Euh, donc, on, donc Vincent, euh, avec Vincent, on s'est dit, bah, euh, ce qui est cool, c'est qu'on est, euh, est deux personnes qui sont euh, complémentaires euh, par rapport à nos, à nos compétences. Moi, c'est plutôt la 3D. Euh, le photoréalisme et, et l'animation 3D, par exemple. Vincent, c'est vrai que c'est plutôt euh, les plans techniques. Et je sais que moi, dans ma communauté, j'ai plein de gens qui me demandent tout le temps euh, au fait, Fred, comment on fait un plan technique euh, J'ai ma maquette 3D, etc. Donc, comment on peut procéder ben, tous, ces, tous ces webinaires, tous, tous ces ateliers, ben, on va essayer vraiment de, de vous aider au maximum, hein, vous apporter. Euh... Et encore une fois, hein, c'est pour ça que le, le, le terme webinaire euh, est un peu péjoratif, c'est que. On va vraiment essayer de faire plutôt des ateliers pour, euh, pour répondre à, à toutes vos questions. Alors, on enchaîne. Alors, la, le, le, le petit 1, et là, attention, si vous êtes là, c'est que euh, là, bah, là, forcément, la création de plans, euh, ça vous intéresse puisque vous, vous devez utiliser un logiciel déjà ou pas euh, dans votre quotidien. Et ce qui est assez marrant, Vincent, regarde, mm -hmm. quel logiciel choisir Ouais. Mmh. Il y en a un bon paquet, hein. on les a testés, certains, c'est ça. Hein. Toi, ouais. tu en as testé un paquet aussi Ouais, alors AutoCAD, oui, parce que je faisais mmh. de la formation sur AutoCAD aussi, SketchUp, euh, Revit, je l'ai ouvert, je l'ai vite refermé. Archicad, <rire> <rire> non, Archicad, <laughs> je me suis intéressé parce que ce qui est cool, c'est qu'Archicad, il marche sur Mac et PC. Ouais. Donc, tu sais qu'à un moment donné, je voulais, je voulais former les gens sur Archicad parce qu'on me l'avait demandé. Oui, et je suis intéressé un petit peu, puis j'ai fait bon ok. Bon, je vais retourner à SketchUp, je vais rejouer avec mes billes. Par contre, Blender, ouais, j'adore. Je me suis formé dessus et j'aimerais bien quand même maîtriser ce, cette petite bête. Qu'est-ce que j'ai encore testé, moi? Sweet Tome 3D, ouais. ouais. DraftSight, ah, à Picon Planner, on va faire des tutos, les amis. Ouais. Sur Picon Planner, on va faire des ateliers là-dessus. Ouais, c'est pas mal, pas et mal. Toi, moi, j'ai testé Cozy Casa que j'aime bien. Qui est, qui est gratuit aussi. Yes. Euh, mais c'est vrai que bah, bah, Révit, alors moi, je vais, euh, vais m'y mettre. C'est compliqué Révit. Hein. C'est vrai que moi, je l'ai ouvert. Euh, ouais. Je ne l'ai pas refermé, mais presque. <laughs> en tout cas, il m'a fallu plusieurs années avant. Alors de attends, 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 Vincent, qui... ça, ça réagit dans le chat. Ah. Donc, euh, oui, il y a déjà une personne qui nous demande <laughs> euh, la, la semaine prochaine, ouais, le webinaire, il est à 11h. On, on a changé les heures. Ouais. D'ailleurs, euh, si vous voulez... Euh, euh, nous dire quand est-ce que, si vous avez une heure, une heure en particulier. Ouais, dites-nous quand vous êtes le plus dispo. Mmh. Parce que là, on est parti sur midi et demi, il y en a qui nous ont dit qu'ils étaient pas dispo. Donc, ouais. dites-nous si 11 heures, ça vous va, ou si vous voulez le faire à un autre moment, dites-le, n'hésitez pas. Yes. Euh, donc, ouais, je vois une question. Alors, pourquoi vite refermer vite Non, mais on, on déconne, c'est juste que c'est plus compliqué. Aujourd'hui, on se concentre donc sur SketchUp AutoCAD. Attends, Vincent, ça, je, vais, je vais répondre. Voilà. En fait, oui. moi, c'est... Quand je parlais de faire mes Revit, c'est qu'en fait, moi, ce n'est pas mon métier de départ. Je suis graphiste. Donc, c'est vrai que moi, c'est la maquette. C'est la maquette, c'est le joli, c'est surtout la création. Je suis un créatif et j'adore la moulure. Je vais peut-être passer trois heures à la faire, ça m'éclate. Voilà, j'adore la maquette. C'est pour ça que Revit, pour moi, c'est trop technique. C'est plutôt le boulot de Vincent. C'est Vincent qui vous expliquera, par exemple, Revit ou Archicad. Bien, alors on va enchaîner Hey. Je sais pas ce que tu en penses. Eh ben, c'est parti, allons-y. On est là pour ça. Alors, quand on a créé ce ce, ce webinaire, euh, on a dit tiens, on va on va se faire connaître. Euh, on va lancer les premiers webinaires et on va lancer un sujet. Donc, moi, je trouvais pas ça intéressant de faire qu'une démo sur Sketchup ou AutoCAD, mais plutôt partir d'un constat, de se dire bah voilà. Euh, aujourd'hui, on a, on a tous des logiciels pour créer des plans ou de la 3D. Mais en fait, euh, quelle est la question en fait, à se poser Est-ce que le logiciel actuellement que vous utilisez, il est top Est-ce que vous, vous pouvez peut-être... Parce que moi, j'ai des gens qui me disent, « Ouais, je suis sur SketchUp, est-ce que je ne devrais pas me mettre sur AutoCAD pour faire mes plans ?» On m'a dit que c'était mieux, c'était ceci et cela. Donc, la, la première question à vous poser, c'est est-ce que j'ai besoin d'un logiciel déjà pour des projets personnels Vous n'allez pas prendre AutoCAD si vous, vous faites votre cabanon de jardin, par exemple. Ça paraît évident, mais... Mm. Euh, Est-ce que vous avez besoin d'un logiciel pour vos projets professionnels? Donc là, à ce moment-là, effectivement, ça vaut le coup de, euh, de regarder un petit peu. Si c'est pour des projets personnels, bon, on a vu sur la liste juste avant, je vais y revenir, hop, pour des pour des trucs perso, on peut, on peut utiliser en ligne, je ne sais pas, Cozy bah, Casa, euh, Home by Me, des choses comme ça. En revanche, si vous avez des besoins pro, peut-être que vous allez avoir besoin d'imprimer à l'échelle. Peut-être que vous allez transmettre des clients, euh, Vincent, des, des plans à des clients qui, euh, ouais. techniques ou des artisans. Ça. Ensuite, très important et Vincent, je crois que tu seras d'accord avec moi, est-ce que vous disposez d'une forma, formation de dessinateur Eh oui. Ça c'est vrai que c'est important parce que si Attends, euh, attends, vous... attends, attends tu, tu peux me refaire le Et eh ouais Et eh ouais, <rire> <rire> ça, ouais. Ça, ça te plaît Non, effectivement, c'est un... <laughs> tu fais bien de le dire parce que si vous n'avez mmh. si pas de formation de dessinateur, bah forcément passer sur AutoCAD, c'est peut-être un poil plus compliqué parce qu'il y a les normes de dessin, les épaisseurs de traits, tout ça. Peut-être que sur SketchUp, ça sera plus adapté, effectivement. Et voir. je pense que les gens qui n'ont pas de formation de dessinateur, euh, en règle générale, quand ils ouvrent un AutoCAD, un Revit ou un Archicad, ils font Ah, c'est une usine à gaz. Et c'est pour ça qu'on parle mm -hmm. d'usine à gaz. C'est que généralement, ça fait peur quand on n'a pas de formation. Quand on a une mm -hmm. formation et qu'on voit les outils et qu'on nous les a montrés à l'école, on se dit Ah, ben ouais, mais en fait, cet outil-là, il est génial parce que, euh, par exemple, quand je veux aligner deux objets en même temps, bim, ça se fait automatiquement. Tiens, ajuster, c'est super parce que même quand on dessine ou autre, c'est vraiment top. Est-ce que donc, l'autre point, est-ce que j'ai besoin d'avoir des outils simples ou techniques Donc, ça résume un petit peu. Est-ce que j'ai besoin d'avoir un logiciel pour des projets perso ou professionnels Et puis Vincent, bah, quel, est, quel est ton budget, toi, pour acheter un logiciel eh, bonne question. <laughs> bonne question. Non, les budgets, c'est souvent euh, très cher. Voilà. Alors effectivement, nous en tant que pro, euh, le, la question se pose pas. On n'a pas vraiment le choix. Yes. Effectivement, euh, il faut prévoir un gros budget. Donc c'est toujours pareil. Si vous vous lancez, que vous avez des gros clients et qu'ils vous demandent des DWG précis, faudra investir dans de l'AutoCAD, sachant ouais. qu'il y a de l'AutoCAD LT. Donc il y a plusieurs euh, possibilités. Mais sinon, effectivement, ça sert à rien de se ruiner. Hein, tout dépend du projet. Mmh. Ouais, c'est vrai qu'AutoCAD LT, moi, moi je, quand je formais les gens, tu sais, à l'école de déco euh, sur Paris et d'archi, euh, on, on utilisait euh, AutoCAD la version complète, mais on faisait pas faire de 3D aux gens. Et du coup, euh, AutoCAD LT, si vous, vous avez besoin de faire des plans, bah c'est top. En fait, euh, oui. c'est, je crois que c'est trois euh, punaise, je sais plus, c'est 500 euros à l'année, je crois, un truc comme ça. Au bon, moins c'est en abonnement. Ouais. Euh, et puis dernier point, est-ce que je ne vais dessiner que des plans? faire de la 3D et là là en effet ça là on peut vraiment vous éclairer là-dessus mmh. c'est que euh, bah, toi tu as une expérience aussi euh, de 3D un petit peu peut-être non Vincent euh, ouais, c'est ça. Bah, moi, à savoir qu'AutoCAD est quand même plus orienté 2D, même si on peut faire de la 3D. Mais yeah. effectivement, aujourd'hui, moi, même chez moi, si j'ai des meubles à dessiner, je vais ouvrir SketchUp. Hein. Je vais pas les faire ouais. sur AutoCAD 3D parce que je le trouve pas tellement intuitif, contrairement à SketchUp. Par contre, quand on fait des, des plans, c'est vu de 2D. Alors on fait des coupes, on fait des choses comme ça, on va utiliser AutoCAD. Donc tout dépend effectivement 2D, 3D. Ça joue. Hein. C'est ça. Et d'ailleurs, regardez, je vous propose un petit tableau comparatif. Or, pas, pas dans le bon sens ou le mauvais sens. On n'est pas là pour. Moi, je ne suis pas là pour dire Vincent, regarde AutoCAD, quand même, viens, viens chez SketchUp, c'est quand même mieux. Mais <laughs> par contre, il euh, y a un constat, hein, c'est que tout le monde le, le dit, hein, enfin, règle en générale, même les, vous, vous devez le savoir peut-être si vous connaissez. Bon, SketchUp, de prime abord, donc c'est plus facile d'utilisation. En revanche, c'est moins précis qu'AutoCAD. Mmh. Et j'ai fait un tuto il n'y a pas longtemps, justement pour montrer dans Sketchup, il y a un truc qui est assez énervant en fait pour les menuisiers, quand vous travaillez en, au millimètre près, enfin en dessous presque d'un millimètre, chose qui est compliquée, mais quand mmh. vous faites des arrondis, le logiciel il est, il est un peu buggé, bon, et ça ah c'est ouais. hyper galère. Et AutoCAD, bon, c'est beaucoup plus précis. Exact. Et puis surtout, AutoCAD, ça vous permet, eh bien, de gérer des, des fichiers plus gros que Sketchup. Enfin, pas plus gros, mais… Là, on compare pas la 3D SketchUp et la 3D AutoCAD. Mais dans votre usage quotidien, pour du plan, c'est vrai que euh, AutoCAD pourra gérer des, des gros fichiers. Et je pense que Vincent aura à l'avenir des, 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 des fichiers conséquents à nous montrer. Ouais, c'est ça. Euh, L'avantage de SketchUp, c'est qu'il bon, y a une version gratuite. Ça, c'est plutôt cool. Euh, et dans AutoCAD, il y a beaucoup, 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 beaucoup de fonctionnalités. D'où son prix aussi. Hein, est, puis ça, il est quand même là depuis plus longtemps que, que notre ami SketchUp. Ouais. Euh, sinon, pour les deux, bah, on peut les personnaliser facilement. La, co la compatibilité, elle est, euh, elle est assez, assez évidente aussi. Hein. Dans SketchUp, on peut importer de l'AutoCAD, on peut exporter de l'AutoCAD, euh, du DWG. Et par contre, c'est vrai que pour la 3D, je ne sais pas ce que tu en penses, Vincent, mais SketchUp, c'est euh, ah, quand, ouais, <laughs> quand, quand même pas mal. Hein. Yes. Alors, c'est vrai qu'AutoCAD est très ouvert. Moi, je fais des plans de ferraillage. Vous pouvez dessiner des ascenseurs, des escaliers, enfin tout ce que vous voulez. Euh, vraiment yes. dans le détail. Hein, on est vraiment au millimètre. On peut faire ouais. des trucs très lourds, mais aussi on peut être très fin. Ou... Voilà, on peut tout faire. Et SketchUp, par contre, pour la 3D, c'est vrai que c'est euh, le plus intuitif, il me semble. Ouais. Alors, tiens, l'autre fois, je me posais une question. Euh, qui utilise SketchUp Tu as vu le suspense Eh ouais <laughs> Donc, SketchUp, euh, en faisant un petit sondage, en regardant un petit peu, en creusant un petit peu sur, euh, sur Internet, hein, bon, bon c'est surtout les. Il bon, y a des architectes, il hein, y a des designers d'intérieur, des paysagistes, des scénographes, il y a même des gens qui font du, du design de jeux vidéo, euh, dans l'événementiel aussi, design de stands d'exposition, du design de produits, des urbanistes, des menuisiers, des enseignants et des particuliers. Et c'est là où voilà, SketchUp a, a peut-être une utilisation qui est. Euh, qui est Un peu plus grand public par rapport à AutoCAD, c'est que c'est vrai qu'on va trouver des enseignants et des particuliers. Au collège, l'autre fois, j'ai une élève qui me disait bah, Tiens, mon fils, au collège, on, on, lui montre, on lui montre SketchUp et je lui dis bah, Pourquoi pas AutoCAD Bah non, bah, parce ouais. que je pense que déjà, il bah, y, y a une histoire de licence, SketchUp, il y a la version free. Ouais. Et même pour les particuliers, voilà, ça leur permet quand même de s'adapter à, à la 3D. Ok, tu vois, je viens de balancer un sondage là, donc ah. profitez-en dans l'interaction, vous pouvez voter. Donc, tu vois, c'est serré, Fred. Hein Il y a SketchUp, AutoCAD en tête, là. <laughs> c'est très serré. Utilisez-vous pour dessiner vos plans. Ouais. Eh bien, on, on a, on a du, de, de l'AutoCAD, du SketchUp. Ah, on a, on a aussi de l'Archicad. Ouais. Ah, j'en cherche justement. Ouais. Ben voilà. <laughs> Vous êtes au bon endroit. <laughs> Vous avez encore euh, 18, 17 secondes pour répondre au sondage. Alors, moi, je vais enchaîner avec euh, la prochaine slide qui est Regarde, tu vas être sur la slide, c'est génial, regarde. Ah, trop pas bien, bien. Et oh, là, mon pas champion. mal, pas bien bossé. Donc, qui <laughs> utilise AutoCAD Bah ouais, on l'a dit. Donc, les dessinateurs projeteurs les architectes, aussi des designers, des paysagistes, des topographes. En fait, pas mal de monde, industrie, urbaniste D'ailleurs, dites-nous en chat ce que vous faites précisément. Des fois, c'est assez intéressant. Je suis ouais. On voit des réponses qui sont euh, des métiers qu'on connaît pas forcément. C'est assez rigolo. Euh, mécanique, production d'énergie, aviation, construction navale, menuisier. Je pense que tu as mis pas mal de choses, même le design de produits. Voilà, ouais. tout ce qui est mécanique en général, donc c'est ce qu'on disait. Ça peut être des, du béton, ça peut être des trucs euh, méca très fins, euh, voilà. C'est vraiment très très intéressant. On le voit dans le chat, c'est cool. Donc métallier, euh, il y a designer, euh, il y a des paysagistes, il y a vraiment de tout. C'est en fait AutoCAD, c'est très très ouvert, hein, Fred. Et SketchUp, ouais. c'est peut être, euh, c'est un peu différent peut-être. Bah c'est surtout que qu AutoCAD, euh, en fait, c'est surtout les entreprises, c'est les gros projets. C'est euh, ouais. On voit que c'est ça a été vraiment développé depuis des années. Moi, pour, la, pour information, en fait, j'ai découvert AutoCAD. J'avais euh, j'avais quoi 16-17 ans parce que mon père était prof ouais. euh, en, en mécanique générale et et commençait, commençait à, à s'informatiser. Et donc, euh, bah, quand il m'a montré AutoCAD, euh, bah forcément, ça m'intéressait pas du tout. Et même des années après, hein, ça m'intéressait pas trop. J'ai été forcé, en fait, de m'y intéresser. J'aime pas trop dire ça, mais euh, lorsque je, je formais en école d'archi de déco, tu sais. Ouais. Et, et, et la directrice cherchait un prof d'autocad elle en trouvait pas alors elle en trouvait mais généralement les, les gars étaient, étaient super mais ils étaient trop techniques et en fait je pense que les gens voulaient juste apprendre autocad pour faire des rectangles et des traits et des ronds au départ voilà, ouais. et donc euh, voilà j et puis je me suis dit bah en fait ouais, c'est pas, pas, si, pas si compliqué euh, autocad les amis ouais. parce que en fait au départ si on a une approche où on montre aux gens à faire des traits, des carrés et des ronds et qu'après on y va crescendo pour montrer des mmh. plans techniques mais il n'est pas si compliqué que ça. Sauf que, bah ouais, tu ouvres un menu, il y a, y a 30, ouais. 30 lignes et ça fait peur. Au début, ouais, c'est vrai. <laughs> Parfait. Donc, bon. donc voilà. Alors, euh, on a un, un troisième, euh, troisième larron. Ouais. Qui est là. Regarde, avec ses lunettes de soleil. Waouh, trop classe. Et qui me demande de faire une démo. Eh <laughs> ben, c'est parti, Fred. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez Une petite démo SketchUp ah, ça m'ennuie, euh, j'étais pas prêt. Euh, pff, <laughs> <voilà là. rire> Alors, le but, le but des démos, là, déjà, ça va être. Euh... Alors, on va pas faire une battle. Hein. Moi, j'aime bien, hein, parce que euh, j'ai. Quand j'étais plus jeune, je faisais des, des, des battles de, de breakdance euh, dans les halls d'immeubles. Mais, euh... Mais non, on va pas faire de battle. Mais par contre, ce qui est hyper intéressant, si vous voulez, c'est que euh, Vincent connaît pas si bien. SketchUp que ça. Donc, à... moi, je vais je lui montrer, je vais vous montrer, je vais lui montrer aussi comment on, on, on démarre un petit plan. Et puis après, lui, hop, vous montrera aussi euh, comment on démarre un plan. Et d'ailleurs, j'ai même <laughs> des petits exemples pour vous montrer euh, bah, des projets à moi, des, même des projets perso euh, construction de maison. J'ai aussi des projets d'élèves. Il y a peut-être des projets à vous que je vais montrer. Je suis désolé, hein, je n'ai pas flouté les noms. Bah, tant <laughs> pis, hein, je prends des risques. <laughs> et, euh, et donc, voilà. Donc, je vais vous faire une petite démo. Alors. On ne va pas appuyer sur le bouton fin du webinaire. Sinon, euh, Vincent va s'étrangler. Ça serait dommage, <laughs> j'ai failli m'étouffer là. <laughs> Attends, ne quitte pas. Hop. Donc là, est-ce que vous voyez mon écran oh, Moi, je le vois. Vous le voyez Dites-nous hein, si vous ah, voyez oui bien l'écran assez gros. Vincent, est-ce que tu peux me dire s'il si voit l'écran Alors, oui, on voit l'écran apparemment. D'accord. Est-ce que vous voyez un bonhomme bleu <laughs> On me dit que oui, dans ma petite oreillette, enfin, yes. à l'écran. Bon alors, ça, comme je vous disais, hein, la semaine prochaine, je vous ferai une démo complète, enfin complète, beaucoup plus euh, avancée. Et surtout, il y aura de la 3D. Là, le, le sujet, bien sûr, c'est la, la création de plans. Donc sachez que dans SketchUp, quand vous démarrez SketchUp, hop, on va dans Bienvenue dans SketchUp. On peut euh, faire des baignoires, ouais, si on veut. Mais surtout, au démarrage, on peut commencer par une vue en plan, voilà, une vue de dessus. Plan d'architecte centimètres par exemple. Alors, ça, c'est un, un gabarit que j'ai créé moi, donc vous ne le trouverez pas forcément quand vous démarrez SketchUp. Et donc, là, cher Vincent, je vais te montrer bon des choses que tu connais un petit peu, mais on va partir sur un, une pièce très simple. Je vais, mm -hmm. un, un, je vais prendre un rectangle et je vais dessiner une pièce intérieure. Et en dimension, je sais pas, on va faire une chambre. Allez, une chambre, c'est euh, 9 mètres carrés minimum. On va faire une chambre de 3 mètres par 4, donc en 30 mm -hmm. centimètres 300, point 400 et entrée. Avec l'outil décalage, que tu connais sur AutoCAD aussi Oui. Moi c'est F, comme Fred, et comme décalage, raccourci clavier, <laughs> décal à l'extérieur, je mets 20, voilà, 20 cm, on est bien d'accord hein, que ce n'est pas ah standard. Ouais, peut-être hein. ouais, ouais. toi, toi, pro de la, de la structure, ah, on euh, la faire les... à l'envers. Hein. Ouais, ouais, les murs 20 cm, c'est pas mal, <laughs> en général. Enfin, si c'est des murs extérieurs, mais s'il y avait de la cloison ou autre, bon, si c'est une chance, ce sera de la cloison de 7 ou de 10, mais bon, ouais. on n'est pas là pour ça. Non. Et donc, en règle générale, tu vois, quand je, quand je démarre un, un projet, je démarre de la, de, la, de, la, de la superficie intérieure, des longueurs intérieures, je décale vers l'extérieur pour faire mes épaisseurs de murs. Ouais. Et une fois que c'est fait, euh, bah, c'est peut-être pas mal de mettre des, des, des fenêtres et des portes. C'est mieux. Donc, soit euh, j'ai des composants tout faits, portes et fenêtres, que je peux intégrer. Dans ma, dans ma pièce ou ouais. alors je vais les dessiner et pour les dessiner il y a un outil qui est juste génial dans SketchUp c'est l'outil mètre l'outil mètre en fait qu'est-ce qu'il va faire ben, il ne va pas me dessiner mes fenêtres mais il va me permettre déjà de déterminer à combien du mur je veux placer ma fenêtre donc tu vois ah, si ouais. on veut placer une euh, on va peut-être faire la porte en bas, en bas à droite tu vois je vais cliquer sur cette mm -hmm. arête je vais décaler je ne sais pas de 10, 10 cm et entrer hop mm -hmm. et là j'ai un guide je peux en faire un autre ici de 100 d'accord ouais. Ouais, 90, porte d'entrée. Là, je suis en train de casser le mur. Et puis avec l'outil rectangle, je vais intégrer un rectangle directement entre mon point de guidage, hop, ici, et ma ligne de construction, et mon point de guidage ici. Tac. D'accord. Et là, je vérifie tout le temps avec la flèche que j'ai bien une surface ici et là. Et tu vois, les surfaces, ah, c'est oui. comme, comme les hachures sur AutoCAD. Mm -hmm. Ça me permet de voir si je n'ai pas fait de bêtises et que mes traits coupent bien, ma... coupent bien mon mur. D'accord, ok. Et pareil mince. ici, je décale, hop, je pars de la ligne ici, je vais toucher le point du milieu, voilà. Et de cette ligne, je vais décaler, tu vois, je vais faire une fenêtre. sais pas de 120, donc je vais mettre 60 à côté. Je vous répète que j'ai pas révisé, hein, c'est que de l'impro. Hein. Mm. Épaté, non Il faut pas que tu te trompes, hein, surtout, tu as la pression. <laughs> <C 'est ça. rire> voilà. Avec l'habitude, c'est vrai qu'on va, on va assez vite. Ça va vite. Hein. <laughs> bon, sur AutoCAD aussi, toi, tu vas, ça, ça va assez Avec vite. Avec les hein. raccourcis euh, comme toi, j'imagine. Ouais. Ouais, ouais c'est ça. Et avec la gomme, tu vois, je peux maintenant, avec ma gomme, je peux enlever par exemple ces deux lignes. Ouais. Là aussi, avec mon pot de peinture, je peux soit euh, mettre ce qu'on appelle, euh, je me la raconte un peu, hein, du pochage, n'est-ce pas mm -hmm. J'utilise un peu ton, ouais. ton langage technique. Mes expressions, hein. tu, tu voilà. me copies, c'est ça <laughs> Voilà, c'est ça. Donc, pour mettre wow, ouais, les murs bien. pleins. On a aussi euh, une bibliothèque motif. Bon, alors là, c'est un petit peu moins bien pour les gens qui sont très techniques et qui aiment bien le dessin vectoriel, parce que là, qu'est-ce qui va se passer bon, On va avoir ici des hachures, mais c'est euh, plutôt du pixel. Donc après, c'est sûr que sur l'impression, en règle générale, ça passe très bien, hein, mais euh, ce n'est pas de la hachure vectorielle. Donc vectoriel, hein, c'est un trait de dessin. Mm -hmm. Et à partir de ce, ce principe-là, bah, souvent, je sélectionne le tout, je fais un clic droit, crée un groupe. Voilà. Alors, crée un groupe, pourquoi parce que dès que j'ai fini une étape, généralement, mes objets, je les groupe pour passer à la suite. Parce que le problème ouais. de SketchUp, les amis, c'est ça. C'est que vous faites, par exemple, je vais vous montrer. Vous dessinez une forme géométrique comme ça. Ensuite, vous faites une fenêtre à l'intérieur. Hop, ici. Là, je resélectionne ma fenêtre. Et là, tu vas rire. Je déplace ma fenêtre et voilà ce qui se passe. Oh. C'est du, du chewing-gum. Et donc, la différence <laughs> par rapport à AutoCAD, mmh. c'est ça, c'est qu'on est obligé à chaque fois de valider. Euh, nos traits en créant des groupes, ça les protège de toute déformation. Ouais. Et là, je peux par exemple dessiner, euh, je vais dessiner ma fenêtre, donc je vais me mettre là, hop, mm -hmm. je dessine une fenêtre comme ça, hein. je vulgarise un petit peu le, la chose, je ouais. dessine mes menuiseries, si c'est une fenêtre double, bah, je vais dessiner ici, je vais faire un copier-coller je vais placer mon, mon objet au milieu, tac, ouais. et avec mon crayon, je ne suis pas sûr qu'il soit au milieu, tiens. <laughs> Hop, je vais le recopier. Ctrl C, Ctrl V. Et puis là, ici, je vais prendre le point du milieu et je vais aller chercher mon petit point du milieu qui doit se trouver ici. Voilà le petit point bleu. Le voici. Il y, Il y, avait y a des L. accrochages aux objets comme sur AutoCAD en fait. Finalement. Exact. Ouais, exactement. Ouais. Ok. Et en, par contre, euh, par rapport à AutoCAD, les accroches objets, elles sont définitives, c'est-à-dire que tu peux jamais les enlever. En fait, elles ah, sont ouais. toujours euh, toujours présentes. Bon. En même temps, dans AutoCAD, c'est quand même bien que tu aies toujours des accroches-objets, non En général, ouais, on les utilise. <laughs> Tant qu'à faire. Et là, quand j'ai créé mon objet, enfin, quand j'ai dessiné ma fenêtre, ma fenêtre de menuiserie, bah, je lui donne un nom, donc fenêtre. Tu vois, c'est comme les blocs chez toi. Ouais. C'est un composant. Et regarde ouais. ce qui est super c'est que là, directement, j'ai un petit panneau qui s'appelle composant. Voilà. Et là, je vais retrouver ouais. ma bibliothèque d'objets, tu vois. Donc là, j'ai une fenêtre. Mais je pourrais très bien dessiner ici, pareil, une porte. Donc là, je refais une petite menuiserie, évidemment. Mm -hmm. Là, c'est pour la démo, mais il faudrait. Il faudrait on peut rentrer les, les codes sans problème. Hein. D'accord. Et là, je vais dessiner un rectangle. Youpi. Alors, il y a combien Tac. 80,6. Ouais. Bon, en règle générale, c'est 83 une porte, non Ouais, c'est ça. T'as vu quelle aisance. Hey, et là, ouais. avec, avec l'outil arc, tac, je clique, je clique. Et cet objet, j'en crée aussi un composant. D'accord. Et je l'appelle bizarrement porte. Ouais, c'est comme les blocs, les blocs en autocal. Et est-ce que tu peux faire des composants dynamiques comme les blocs Ouais. Alors, là, je ne vous le montrerai pas parce qu'on n'a pas le ouais. temps. Mais en fait, on, on peut très forme. bien paramétrer, bien sûr. On peut paramétrer, ouais. en fait. Euh, alors ça, c'est avec la version pro de SketchUp. Oh, tu vois, tu as, as un panneau ici qui s'appelle euh, composants dynamiques. D'ailleurs, ouais. j'ai un ami, un ami qui, euh, qui assiste à ce webinaire, j'espère. Il <laughs> s'appelle monsieur Jacques Vernet qu'on invitera peut-être, et qui est un professionnel des composants dynamiques, il est là pour nous étonner. Ah, super. Et tu vois, avec cette barre d'outils composants dynamiques, en fait, tu programmes ta porte ou ta fenêtre. Là, tu as une petite, euh, une petite main d'interaction. Ouais. Et si je clique sur ma fenêtre ou ma porte, en fait, je peux par ouais. exemple lui dire bah, quand je clique une fois, bah, ça change de sens, tu vois. D'accord. On la renverse de l'autre côté. Ça, ça tu okay. peux faire la même chose aussi. Exactement. Voilà mon plan, il est bon non Super, impeccable. Est-ce que tu peux nous dessiner un escalier ou quelque chose comme ça rapidos Ah ouais, j'avais oublié un escalier. Est-ce que c'est compliqué les escaliers <laughs> Voilà. Donc là, on a vu, on a vu la, la phase de dessin. On a vu la création de composants ou blocs, ok Maintenant, ouais. les escaliers, par exemple. Là, on rentre dans un sujet où on va faire de la répétition. Tu vois, comme mm -hmm. les réseaux sur AutoCAD. Ouais. Donc là, je ça. dessine une, une, une marche de 100. Et euh, le giron fait quoi 25 28. 26 ouais, ça peut être 28 en général. J'aime pas, ouais. pas trop ce qu'on me dise, ce qu que j'ai à faire, Vincent. Je... Ouais, mais bon, je suis un <laughs> professionnel. Frère, <toi. rire> yes. Donc là, j'ai dessiné mon rectangle. Ici, euh, je peux faire, par exemple, euh, un composant. Donc je vais créer un composant. Ouais. Parce que okay. je sais que cette marche, je vais la répéter. Je l'appelle marche. Voilà. Là, je prends l'outil déplacer avec la touche Ctrl sur PC, Alt sur Mac. Et là, ça va me permettre de passer en mode copie. Donc, je clique une fois ici. Je clique ici. Et si je veux, je ne sais pas, euh, là, on s'en fiche un petit peu, mais on va mettre 10 marches. Donc, j'appuie sur X, donc x 10 et entrée. Et donc, là, je peux copier un, un nombre de marches. Okay. Donc, là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, avec la première, ça fait 11. Mm -hmm. Donc, là, on est pas mal. Et tu vois, ce qui est cool avec les, avec les composants comme avec les, les blocs sur AutoCAD, c'est que si je double-clique sur une démarche, mmh. c'est les mêmes objets partout. Donc il suffit ouais. ici, on, en termes de graphisme, je ne sais pas ici si je veux euh, montrer un un, un, un de marche par exemple, ouais. tu vois, cette ligne, elle vient, elle vient se, ré, se répercuter partout. Et ouais. pour terminer, je vais vous montrer un truc qui est cool parce que je ne pouvais pas vous laisser euh, sans ça. Mmh. C'est mmh. que dans, dans SketchUp, on peut faire des balises. Par exemple, on va les appeler tirets. Ouais. Donc c'est un calque, c'est comme un calque AutoCAD, et en fait, en préférence, je mets des pointillés, et en fait, ce trait, si je le mets sur la balise tirée, regarde-moi ça, info sur entité. Là je vais mettre ça sur tiret, et ben j'ai des petits pointillés partout. Donc tu vois, si après j'ai besoin, euh, pour X raisons, de, euh, de dire qu'à partir de la quatrième marche, après, on arrive au-dessus d'un mètre et donc dans ouais. un plan, on met tout ça en pointillé, ben, j'éclate tous mes composants et je mets ça sur la balise tirée, et voilà d'accord t'as vu c'est oh. mieux que cas ah, c'est différent c'est sympa <laughs> t'as pas vu <laughs> ma petite démo tu vas voir <laughs> non c'est pas mal on peut faire et je savais qu pas qu'on pouvait faire tout ça en tout cas ah ouais bah tu vois apprends des choses ouais, et pour terminer bien, <laughs> donc je vais vous montrer euh, quelques petits exemples ah ouais trop bien euh, notamment euh, de ce qu'on peut faire avec SketchUp. Donc là je vous ai montré mm -hmm. SketchUp, mais l'intérêt quand vous faites des plans, euh, c'est d'aller utiliser le, le, le logiciel qui est fourni avec SketchUp Pro, c'est Layout et qui vous permet de faire des présentations. Par exemple, ici, dernièrement, j'ai fait un, un dépôt de permis euh, pour, pour la création d'une piscine. Donc là, layout, c'est quoi C'est un logiciel de mise en page, mais qui va permettre de gérer lorsque vous importez un plan SketchUp. Regardez bien, voilà. Ça va gérer l'échelle. Donc là, j'ai une échelle de 125e pour un plan masse avec des cotes. Je peux faire des plans de coupe dans SketchUp et aussi les présenter dans, 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 dans layout. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que c'est assez, euh, assez simpliste, puisque bah, c'est un logiciel de mise en page, on règle l'échelle, et après on fait ce qu'on veut, on met plein d'annotations. Donc là, c'est peut-être pas très sexy euh, pour les gens qui aiment des trucs un peu, euh, un peu fun ou autre. Mais euh, lorsque vous avez des projets, vous pouvez faire plein de trucs. Par exemple... Là, euh, enfin, en même temps, je parle de trucs sexy, mais euh, un plan de plomberie, ce n'est pas sexy. Mais tu vois, regarde. <laughs> ça, c'est un plan autocad, parce que je n'avais pas de plan de plan layout, et je ne peux pas te mentir à toi, regarde. En fait, ici, au niveau des HU, on est bien d'accord, c'est du vectoriel. Il hein, pas pixelisé. Donc, ça, c'est euh, un plan autocad. Mais ça, je peux faire exactement la même chose, moi, avec SketchUp. C'est-à-dire que, ici, je vais pouvoir aussi dessiner mes symboles d'arrivée d'eau froide, d'évacuation dans layout. Ouais. Donc, je peux faire des plans techniques, et d'ailleurs, on aura un... Un webinaire, un atelier spécial pour les plans techniques. Ouais. Et euh, bah écoute, je pourrais encore te montrer plein de trucs. Hein. Je... Ouais, bah écoute, Fred, c'est super sympa, hein, ouais. Euh, je vais peut-être te laisser que, travailler un peu, non bah, Moi, ce que je donne rendez-vous, je vous remets encore le lien euh, dans le chat, mais euh, je vous donne rendez-vous pour vous inscrire et voir la suite parce qu'il y avait quelques questions, mais on ne va pas avoir le temps de, de répondre à tout parce qu'il faut quand même que je fasse ma petite démo aussi pour montrer à Fred que. Toute de toute façon, que Fred, les questions, ça sera. Très, très euh, bon. <laughs> ouais, et puis on fera, on fera vraiment les questions dans la, dans la deuxième partie du, euh, du webinaire. Donc bah, écoute, tu peux partager ton écran. Eh bah, bien, c'est parti. Allez, partage tout l'écran. En espérant que ça fonctionne. Bon, donc, euh, dites-nous quand même si vous voyez l'écran. Alors, euh... c'est mieux si vous voyez AutoCAD, là, hein, en principe. Moi, j'ai mis euh, Vincent une petite démo. C'est bon, c'est oui. Alors, c'est parti. Bah, petite, euh, petite démo. Bah, là, on est sur AutoCAD. Alors, Alors c'est une est -ce que à je... gaz, hein? Ouais alors je vais ce <laughs> non, je que je vais faire je vais pas vous montrer euh, trop des, des gros bâtiments mais regardez on peut faire des trucs sympas sur AutoCAD par exemple partager mon écran en deux tu vois on a déjà enfin vous voyez <laughs> il y a des blocs dynamiques. ah ça par contre ça j'aimerais bien ça, le faire. ça ça existe alors, pas sur SketchUp ça c'est pas mal c'est comme tu le montrais les composants eh bien, en fait, il y a directement des blocs comme ceci où on peut régler les feuillures, etc. Yes. Et pareil pour l'escalier. Alors, je le fais un petit peu à l'inverse de toi, mais c'est parti. Je vais quand même faire un plan rapidos. Alors, sur AutoCAD, comme sur SketchUp, je pense, il y a plusieurs méthodes. Je pourrais faire un rectangle comme tu l'as fait, Fred, et le décaler de 20 cm. Ça marche aussi. D'ailleurs, je suis mmh. un peu gros là au niveau… Euh, des unités. Il faudra que je zoome. Mais je peux aussi faire des multilignes, Vous le voyez et dessiner, eh bien des murs ah ouais, euh, comme ça. Ça c'est plutôt sympathique. Donc vous voyez, bah. Et ça c'est pas, que... pas un plugin ça. Un non, ça c'est euh, pure. Euh, alors c'est pure AutoCAD version full. Sur LT il y aura un petit peu moins. Mais là ce que je vous montre c'est quand même compatible en général sur n'importe quelle version. Donc en fait vous voyez AutoCAD. Moi en, en fait j'apprends tous les jours parce que. On peut faire vraiment des choses basiques, effectivement, on peut faire des lignes, mais si on commence à faire des choses genre multilignes comme ceci, vous voyez que mon bâtiment, je vais le dessiner, mais vraiment très, très rapidement, quoi. C'est vraiment sympa. Alors, voilà. Là, j'ai fait. Finalement des multilignes que je peux décomposer et retrouver des lignes un petit peu comme SketchUp. Ça, tu nous je... l'expliqueras au ralenti dans deux semaines, non? Ouais, c'est ça. Là, je vais <laughs> un peu vite, mais <laughs> je ne vais pas, je peux pas tout vous montrer en, en si peu de temps, mais vous vous inscrirez, il n'y a pas de souci. Donc, moi, j'avais juste fait... une question de base, tu vois, Vincent. Ouais. Par exemple, quand euh, moi, quand tout à l'heure, j'ai fait, euh, fait un trait pour ouais. un rectangle avec, euh, avec, avec euh, SketchUp. Toi, oui. je crois que tu, tu peux rentrer directement les mesures aussi, non Ouais, alors, c'est ça, c'est ce que j'allais faire, en fait. C'est, si je fais, par exemple, euh, ici, je vais, je peux rentrer des mesures, par exemple, là, ouais. je peux très bien lui dire, il n'y a pas vraiment de guide, en fait. Sur ah le ouais, je, ah je, ouais, simplement, je, ce que j'aime bien, c'est que je vais lui dire, bah, mets-toi à un mètre, et vous voyez. Alors, moi, je suis en centimètre, hein, je vais taper 100, et là, mm -hmm. je suis à un mètre. Donc si je fais une cotation, tu je fais d'abord ta ligne, à mètre, un petit bout de ligne, et puis après tu la décales. Un peu. Ouais, c'est ça. En général, ah, c'est comme la même ça chose. que je fais. Après, bien sûr, sur AutoCAD, on peut utiliser les accroches objets en disant tiens, je vais étirer de 1 mètre et ouais. je vais descendre de 20 cm. Ça marche aussi. Et puis, j'ai l'outil décaler ou copier qui me permet de faire tiens, une ouverture de euh, 1 mètre, comme ceci. J'hérite. Euh, ici, je vais très vite hein, pour ce cours-là, mais vous voyez, wow. ça va assez vite quand on utilise les raccourcis. À aucun moment, vous avez vu, j'ai utilisé ce ruban. Et ouais, donc, je, bah, je, crois ça... aussi, euh, excuse -moi, je crois aussi que la, tu sais, la, la fonction ajuster, elle a été améliorée, non euh, il, y a, ajuster, il y a deux, trois versions. Oui, ouais, c'est ça. Avant, il fallait sélectionner euh, tous les traits qu'on voulait couper. Après, tu ouais. allais sur ajuster, tu cliquais. Et ouais. avant de continues, excuse-moi de te couper, hein, je suis désolé, hein, je... c'est moi. Bon, bon. <laughs> euh, en fait, pour ceux qui, parce que là, je, je me mets, je me mets des gens qui, enfin, du côté des gens qui ne connaissent pas du tout AutoCAD, qui viennent de SketchUp ou qui euh, cherchent un logiciel de, de dessin, vous voyez le ruban là-haut Il ouais. y, a, euh, y a des milliards de, de fonctionnalités. Ah ouais, ouais, on les voit ici. Mais, hein. <laughs> ouais. Mais rien que dans le ruban début, en fait, il y a, y, a, y a nettement plus d'outils que dans, que mmh. dans SketchUp. C'est ça. Il y a encore et... toutes les palettes. Hein, c'est impressionnant. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui peut faire peur. Et finalement, ah ouais. dans le début, vous avez tout. Mais derrière, il décline AutoCAD des possibilités un peu supplémentaires. Mais on va dire que pour un débutant, euh, celui-là suffit. Hein. Début suffit. Et comme tu disais, Fred, effectivement, vous voyez sur AutoCAD, depuis les nouvelles versions, ben voilà, on peut très facilement euh, ah ajuster. Ouais. Et là, grâce à des versions euh, plus puissantes, euh, eh ben, on voit que ça va très, très bien. Voilà. Tu as prolongé les traits, ça, ça le jour au SketchUp, ils vendent ça, euh, je serais <laughs> content. Donc voilà, pour euh, AutoCAD, là, on voit qu'il y a quand même du niveau, mais on peut yes. faire des choses quand même. Je, par exemple, on peut coter rapidement, ça, c'est assez sympa. Peu de gens le connaissent. On peut hériter, bien sûr, des propriétés, par exemple les cotations, si je veux les mettre comme ceci. Je récupère mes calques, donc c'est un système de calques, un peu comme tu nous as montré, euh, qui est déjà paramétré. Donc ces gabarits-là, moi, je les propose hein, sur ma sur ma boutique, mais vous pouvez voilà aller très très vite. Et vous voyez, si je veux faire une ouverture, eh bien je peux copier-coller hein, directement, par exemple, ce, ce truc-là. Et très facilement, je vais lui dire. Et ce qui est bien, c'est qu'il suit, hein, il suit les objets directement, ce bloc dynamique. Ça, c'est top. Il m'a fallu des années pour les développer, mais on voit que ça marche tout à Une fait. question de Ryan qui demande c'est quoi la commande de cotation rapide ah bah c'est euh, bah CotRap, code Cotrap, code ou alors wow. vous allez dans euh, <laughs> Vous allez ici dans euh, ouais. là, hein, vous cliquez là sur le ruban et vous avez euh, en principe, vous avez dans Annotation quelque chose qui s'appelle euh, CotRap. Alors c'est peut-être dans Annoter et c'est pour ça que je vous dis le ruban, je ne l'utilise jamais, parce que ce sera beaucoup plus facile de faire CotRap, mais on le voit ici, hein, rapide, il est ici. Voilà. Yes. Donc on retrouve dans annoter euh, rapide, mais sinon vous tapez code rap et vous voyez c'est très 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 facile. Si je fais ça, hop et eh là ben, je code rapidement quoi. Donc euh, hériter les propriétés, c'est euh, c'est propre ou c'est un peu du chinois. Hein, ou vous... <laughs> ouais, euh, j'ai l'habitude, mais en fait vous cliquez sur début, copier les propriétés. Et ce qui est génial, c'est que vous allez dire tiens. Euh, ce, cette cotation, et eh bien, je veux la changer de couleur par rapport à cet objet, par exemple. Voilà. Et là, je change que, de couleur. C'est vrai que l'avantage, c'est que enfin, tout, toutes les fonctionnalités ont déjà un, un raccourci. Ouais, ouais. Euh, SketchUp, c'est vrai qu'on a, on a quand même les fonctions, les fonctions de base, euh, les, les, les outils de base. Et après, c'est à nous de créer nos propres raccourcis. Est-ce que tu peux créer des raccourcis aussi dans, dans ouais, tout mais cas, c'est pas la peine. Si, si, on peut tout paramétrer en fait sur AutoCAD. Ça, c'est génial. Yes. Par exemple, si vous allez dans outils euh, personnalisés et paramètres de programme a 4pgp vous cliquez ouais. là, et bien vous voyez tous les raccourcis, vous pouvez les modifier. C'est-à-dire que ligne, bah, vous allez avoir l'option ligne, vous avez l'option, euh, je ne sais pas, ED pour euh, éditer, E pour étirer, etc., etc. On peut tout paramétrer. Code RAP, bah, on peut dans et on peut le changer sans problème. Donc, ça, c'est bien dans outils. Euh, personnalisé et euh, paramètres de programme ici a 4pgp points yes. ça c'est pro... ça c'est génial parce que on peut vraiment euh, paramétrer des, des raccourcis clavier comme ça mais on peut paramétrer des, des raccourcis à deux mains c'est-à-dire euh, beaucoup plus rapide dans outils euh, personnalisés et menus alors c'est un petit peu différent euh, si je vous l'affiche là vous le verrez mieux c'est mieux hein parce que sinon vous le verrez pas voilà Tac. Et en fait, ici, vous allez pouvoir, un petit peu comme on fait CTRL S, CTRL A pour tout sélectionner, paramétrer des raccourcis clavier plus puissants encore que ceux que je vous ai montrés jusqu'à présent. Voilà. Mais ça, c'est un niveau un petit peu avancé, on le verra plus tard. Donc, vous voyez, l'idée, c'est vraiment de faire des choses ultra puissantes. Et les, et les escaliers, eh bien, pareil, comme tu nous montrais, moi, je me suis fait un petit bloc dynamique hein, pour euh... faire des choses comme ça. Supposons que mon escalier, bah, je le mets, je pars d'ici, je veux monter jusque-là, et eh bien j'étire mon escalier. Voilà. Et je peux donner les dimensions ici. Bien oui, sûr, si je n'avais si pas cet escalier, bah, je ferais comme toi, Fred. Hein, je ferais une ligne, par exemple, de 80 pour la largeur. Je décalerais de 26, pourquoi pas. Oui. Et je ferais quelque chose comme ça. Voilà, C'est ce qu'on fait, ce qu fait tous au début. Hein. Et ensuite, on a copie avec réseau. Donc, je vais en copier 10. Et voilà, vous voyez, AutoCAD vous permet d'aller très très vite comme ça quand même. On peut faire des lignes euh, facilement. Vous voyez, on peut quand même aller très vite sur AutoCAD. C'est fait pour... Mais toi, tu une donc. brute. Hein tu peux nous montrer juste un truc moi que j'aime bien sur AutoCAD c'est quand tu, tu fais juste un rectangle ouais. et, et tu, euh, tu ouvres juste la commande réseau tu sais pour qu'on ait euh, le petit tableau avec les quantités de colonnes et de lignes ah ouais alors ça c'est génial si par ouais. exemple on, on fait un truc euh, comme ça déjà AutoCAD vous permet de modifier un petit peu la forme on peut convertir en arc vous voyez on peut faire des choses vraiment rigolotes sur bien AutoCAD bien. quand même euh, ah ouais. voilà et avec la commande <laughs> c'est rigolo. On peut faire un réseau. Ça, en ne fait. Veut rien, ça ne veut rien dire, ça, Vincent, je suis déçu. Ah, mais oui, mais c'est rigolo. On peut faire un, un réseau rectangulaire. <rire> ça, c'est <laughs> ah, encore on, plus rigolo. C'est très, très drôle, ça. On se marre bien. Hein. Mais ouais. regardez, là, en fait, comme tu disais, Fred, ce qui est top, c'est qu'on peut dire tiens, j'en veux 100 ici. Donc, il affiche des choses là, mais on peut rajouter des colonnes, des machins ici. On peut changer les dimensions, les espacements. On peut ouais. faire des textures, en fait, finalement. On pourrait carrément ouais, faire des hachures comme ça. Et puis, ouais, donc, c'est marrant. <laughs> non, mais ce qui est super bien, c'est qu'en fait, euh, par rapport à SketchUp, c'est que le jour où tu fais une structure comme ça, moi, tu sais, quand je faisais euh, de la formation AutoCAD à l'école, mmh. je faisais faire un exercice qui rendait fou les élèves. C'est que, tu sais, je, faisais, je leur faisais faire une, euh, comment euh, Une espèce de ruche, tu sais, avec des nids d'abeilles en, ouais, en, en polygone. Et en ah, fait, les ça. polygones, ils devaient, ils devaient juste se toucher et faire une espèce de, de, un, un espèce de pattern comme ça. Et en fait, je leur disais « Mais en fait, si vous si vous plantez, vous pouvez toujours revenir sur le réseau et, et jouer ouais. sur, euh, sur l'espace entre, entre les, les objets. » Eh oui, c'est ça qui Parce est que ça. SketchUp, une fois, une fois que tu fais ton réseau, euh, c'est la daube. Bah, c'est qu'une ouais. fois que tu as fait entrer, bah, tu ouvres ton fichier le lendemain, c'est que des traits. Et tu peux ouais. pas revenir sur euh, sur ton réseau quoi. Ouais. Alors euh, ouais, pour, juste pour finir, Fred, on va montrer quand même les hachures. Alors, ah les Julie hachures prend l'information en cours. Ouais. Oh et elle n'a pas vu ah, mon intervention. Bah il y aura ah, le replay. Il y aura le replay heureusement, ouais. effectivement. Et on vous mettra même les les liens du replay. Enfin vous l'aurez ce soir par mail. Ouais. Voilà. Et vous pouvez vous inscrire au prochain replay, au euh, webinaire, hein, pardon. Ça sera Abby, play. Alors, tu ouais. disais quoi Excuse-moi, je t'ai Alors, on va juste finir avec les hachures. Ça peut être pas mal quand on a des choses à, à pocher. Eh bien, on ouais. va lancer la commande hachure. Moi, j'utilise h. Vous pouvez utiliser, euh, bah, vous voyez ici, hachure. Hein, là, c'est yes. pareil. Et on va simplement hachurer. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a pas mal d'options. Alors, si je règle les dimensions, c'est mieux. Là, on ne voit pas grand-chose en bleu. Je le passerai en. Avec une autre couleur, ça sera plus visible. Voilà. Juste pour vous montrer, hein. en fait, on choisit le pochage et on voit que sur AutoCAD, il y en a un gros paquet. C'est quoi le pochage C'est ce qu'on. Le pochage, c'est euh, les hachures, les gradients, etc. Ah, le remplissage, c'est hein. ça. Moi, je dis le, poche... le pochage, mais. Euh... Et vous voyez, il y a un gros, gros, gros panel, et on peut faire solide aussi, bien sûr. Ouais. Et on voit que c'est très, très puissant sur AutoCAD. L'avantage, c'est surtout que c'est vrai que quand tu imprimes... Ben, tu peux zoomer autant de fois que tu veux, c'est du vectoriel. Donc, c'est vrai qu'en termes de. Ça fait un, mmh. un plan qui est vraiment très propre. Euh, et ouais. euh, et c'est vrai que SketchUp, c'est aussi un petit peu les limites du truc. C'est que des fois, moi, j'ai des, des élèves qui me disent Ouais, mais regarde, j'ai imprimé, il y a des gros pâtés où là, c'est pixelisé. Ouais. Donc, c'est voilà, là où, où aussi on peut se dire Bah non, AutoCAD, moi, on me demande de faire des plans nickel normés. Euh, je sais qu'en plus, sur AutoCAD, toi, tu peux. Euh, on peut faire des traits de couleur, les imprimer à l'épaisseur ouais, etc. Je vous montrerai le rendu après, mais effectivement, yes. on peut faire vraiment des trucs sympas. Et je finirai avec ce, ces petits outils-là que j'ai créés. C'est par exemple les, les réservations. Ça, tu me diras si on peut le faire sur SketchUp. Mais sur AutoCAD, ce qui est pas mal, c'est qu'ils appellent ça euh, les champs. Euh, on peut gérer des champs dynamiques, c'est-à-dire que mon bloc, en fait, il est dynamique. Ouais, c'est-à-dire yes. que je peux lui dire, eh bien, fais-moi un bloc euh, circulaire, par exemple, comme ceci, mets-moi un rayon de 10. Donc, théoriquement, sauf erreur, j'ai un diamètre de 20. j'ai oh. rien compris là, t'as fait quoi T'as fait en un fait, carré que t'as transformé en. Ouais, alors c'est un bloc dynamique que j'ai créé. Ah, ouais, il est ah oui, tu, il tu peux il passer d'un rectangulaire à. Ah oui. Ça, sur SketchUp, tu peux le faire en composant, d'accord Mais voilà. sur AutoCAD, ce qui est génial, c'est que là, si je change. Les dimensions que je mets, par exemple 15 de ouais. rayon, eh bien j'aurai 30 de diamètre en automatique. Ça, okay. je ne sais pas sur SketchUp si tu peux arriver à faire des dimensions automatiques comme ça. Ah, je demanderai à mon, à mon joker Jacques Vernet. Ah, peut-être que s'il est là, il peut nous dire si c'est possible ou pas. Jacques, Et donc, si tu es présent, table deux fois sous la table. <laughs> Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, on voit que effectivement, SketchUp pour la 3D, c'est top. AutoCAD ouais. pour la 2D et les outils comme ça, c'est vraiment formidable. Et je, vous, je finirai par un exemple de rendu. Vous le voyez ici. Bah, au niveau technique, c'est très, très puissant. On voit les impacts de l'étage. On voit ouais. les pochages. On voit vraiment des choses, des repérages qui sont ouais. euh, juste énormes. Et quand ouais. vous faites des coupes là-dedans, eh bien, on voit, voilà, on peut dessiner des dalettes, on peut vraiment aller très très loin, la Terre. Donc vous voyez un petit exemple avec des cotations automatiques, des niveaux automatiques. D'ailleurs celui-là, ouais, ça représente la rase inférieure de la poutre. Et donc on peut vraiment tout tout faire sur, sur AutoCAD, principalement en 2D puisque ces âme sont tu vois, là, là ce que je suis en train de voir vas-y des c'est monstrueux en fait il y a énormément mmh. d'infos après bon <laughs> c'est pour ça qu'on disait en préambule euh, est-ce que vous avez une formation de dessinateur ou est ce que vous avez déjà voilà parce que là mmh. l un, l un, un plan comme ça je sais que moi je pars en courant j'avais une expérience un jour une, une agence qui m'avait demandé de faire une boutique enfin euh, une boutique Sephora avec tous les produits etc j'ai vu les plans de l'architecte ben, <laughs> je comprenais pas en fait Ouais. Et ça, tu vois, ça dessiner sur SketchUp, c'est un enfer sur Terre. Ah ouais, j'imagine, ouais. Alors que sur AutoCAD, bah, c'est un peu la routine, je dirais. C'est la journée type du, du dessinateur. On va faire des plans. Vous le voyez, si je vous montre ça, bah, typiquement, ce plan-là, il est assez balaise. Et encore, il n'y avait mmh. pas les cotations, il n'y a pas tout ça. Mais vous voyez, on peut arriver à faire des plans monstrueux avec des coupes sur ascenseur, tout niveau, etc. Et voilà. Euh, le plus d'AutoCAD, c'est aussi les. Comme je vous ai montré, je me suis développé un petit outil. Ça, c'est pareil. Euh, donc Jacques nous a répondu sur SketchUp, c'est possible, mais très très compliqué. Et AutoCAD, ouais. grâce au Lisp, etc. Regardez ce que je peux faire. Je peux ajouter des niveaux automatiques. C'est-à-dire que là, ouais. j'ai des niveaux. Je peux les inverser. Et ça, c'est juste énorme. De bah ouais, voilà. Euh, ouais. Bah là, c'est, c'est Enfin, ça va super vite. Je peux isoler. Un calque, je peux faire bien sûr toujours code rap pour finir en, en quelques secondes mon, mon plan. Hein. Voilà. Donc euh, là, j'ai terminé mon plan euh, rapide Enfin, c'est pas. Il y a Benjamin qui nous demande est-ce <laughs> que les coupes sur AutoCAD se font une à une ou elles peuvent être automatiquement générées sur la base d'un dessin général Non. Alors justement, AutoCAD, c'est là où est la limite d'AutoCAD par rapport à Revit, c'est que AutoCAD, yes. c'est vraiment des objets séparés. Quand je fais un ascenseur ici. Eh bien, si je dois faire sa coupe, eh bien, c'est moi qui vais la faire manuellement, cette coupe. D'accord Il n'y ah, euh, yes. a pas d'automatisation possible, sinon, euh, il faut passer par une maquette euh, numérique type Revit ou autre. Hein. Voilà. Donc, bah, c'est tout pour, euh, pour la présentation. Dites-nous en chat si ça, si ça vous plaît. Et puis, eh ben, écoute, Fred, je te laisse reprendre la main sur le, la suite. Hein. Yes. Euh... Bah voilà, bah, du coup, c'est cool. Et puis, moi, j'ai appris aussi des choses. Hein c'est ben, c'est cool. Bah moi aussi, par rapport à ta présentation, je savais pas que tu pouvais faire la même chose en fait. Et encore, tu yeux... nous as pas eh, montré la 3 D. <laughs> les yeux dans les yeux, yeux tu as vraiment appris des trucs Bah honnêtement, moi je, je galère hein, sur SketchUp. <rire> euh... <rire> je galère. <laughs> yes. Euh... Non, c'est cool. Bah je sais plus ce que je voulais dire parce qu'en fait, je voulais revenir sur une slide avant. Euh... Non, mais bah, dans ce ouais. cas, on va on va on va dérouler la suite. Bah, Alors vraiment, c'est pas fini, restez avec nous. Est-ce que euh, on va essayer de respecter quand même le l'horaire de une heure parce que ouais, euh, ouais, ouais. après c'est juste insupportable pour tout le monde. Euh, puis on a une vie après les amis. Hein. Ah euh, bah, oui. Voilà. Donc attention, vous êtes prêts Ah. c'est euh, triste ça. C'est les concerts. C'est déjà non, mais c'est pas déjà fini. Je mets ouais. le lien, d'ailleurs pour vous inscrire au prochain <laughs> webinaire. Non mais on, on va y avoir pas une chanson à on fini, Fred. On n'a pas parlé de tout quand même. Il y a des bonus. Il <laughs> y, y a des bonus. Ouais. Alors déjà, je vais, non mais je vais revenir sur le site en fait, Kadoop Fusion. Donc comme je vous disais en préambule, ce qui est cool, c'est que. Euh, vous avez à chaque fois, sur une petite vignette, en fait, euh, le résumé du, du webinaire. Il y a un replay aussi, ça c'est chouette. Et dans le webinaire, enfin, nous, on utilise un logiciel qui s'appelle Webinar Geek, qui est cool parce que dans le replay, vous pouvez revoir aussi tous les commentaires. Mm. Vous avez euh, donc dans le si... sur le site, hein, en fait, ici, euh, un lien vers euh, moi, ma formation SketchUp Pro 2022, si vous voulez vous former. Ouais, bien sûr, il fallait qu'on vous vende des trucs derrière. Hein. Vous ne croyez pas que c'était un, un webinaire gratuit non, mais justement. On, non, mais on, on va, déconne, on va... n'est pas là pour ça. <laughs> C'est ça. Il euh, y a la formation euh, par curiosité, si vous voulez, de Vincent AutoCAD. Ouais. Euh, et puis, moi, surtout, j'ai une formation qui peut vous intéresser, qui est en relation avec ce, cette thématique. Ça s'appelle Dessiner vos plans avec SketchUp. Où, euh, quand j'ai créé ce, ce, ce cours, j'ai essayé d'apporter pas mal d'informations aux gens qui débutent, notamment à apprendre ce qu'est la triangulation. Tu sais, quand tu, tu prends des codes dans une pièce avec des diagonales, etc. Euh, apprendre les bases du dessin technique aussi, et puis euh, utiliser SketchUp dans une, dans une optique euh, de, de dessin en plan. Euh, on a aussi le support du webinaire, donc un petit fichier PDF que vous allez pouvoir télécharger. Donc ça, c'est plutôt, euh, c est c est plutôt ça, chouette. Ça. Donc mmh. ce lien, on vous l'envoyez normalement pour la, euh, euh, Ils vont le recevoir euh, ce soir. Je crois que vous allez recevoir le replay le temps qu'il se fasse. Euh, ouais c'est ça. Et le, le lien, euh, ouais. À yes. quoi que non, on et... peut y accéder. Hein. J'ai mis le lien. Vous pouvez y accéder dès maintenant, je crois, au PDF. Ouais, on peut y accéder tout de suite. Ouais. Et ouais, puisque vous avez été sage et que vous êtes très, très sage, <laughs> attention, wow. vous avez moins 40% sur tout le site de Fred Lamy, et de Vincent Caféodo, <laughs> avec le code. C est, c est et, beau, hein. <laughs> et rigolez pas, hein, le, le code de réduction, on l'a fait 3615 webby <laughs> bon, euh... je, je crois que j'ai eu l'idée, et puis euh, et encore j'ai enlevé 3615 code Webi Je voulais mettre, <laughs> et c'est juste 3615 Webby. <laughs> 3615 Webi yes. Donc euh, c'est un code <laughs> qui est valable 48 heures, et vous avez euh, 40% de réduction sur toutes pla tout nos plateformes de ouais. formation. Toi, euh, toi Fred, t'as quoi comme formation euh, sur, euh, sur, tes, euh, sur la boutique bah, j'ai SketchUp, j'ai Photoshop, euh, SketchUp pour la déco d'intérieur, Volume 1, Volume 2, j'ai sorti le Volume 2 il n'y a pas longtemps, euh, Photoshop wow. pour la déco d'intérieur aussi. Donc voilà, donc pas mal de... Ouais, donc, vous laissera, euh, <laughs> on ne veut pas vous embêter avec ça. Vous laisse... ouais. on, voilà, on vous laissera euh, regarder sur le site parce que moi, j'aimerais bien qu'on passe aussi aux questions-réponses. Euh, ah, vous ouais. avez sans doute plein de questions et réponses. Et puis, que vous dire d'autre bah, La date des prochains euh, webinaires. Mmh. Euh, donc le 14 mars, c'est Découvrez SketchUp. J'ai hâte de euh, remettre mon sweatshirt orange pour vous présenter <rire> ça. <rire> Donc là, euh, je, on, fera, on fera vraiment des, des, des trucs sympas, euh, des, modèles, des modèles 3D, etc. Pareil, je vous redonnerai un petit un support PDF à la fin pour ceux qui veulent s'initier à SketchUp. Et puis Vincent, toi, c'est euh, le 21 mars. Ouais, c'est ça. Pour, pour Et la semaine local. prochaine, vous aurez aussi... Euh, le th la thématique du prochain webinaire qu'on fera, on essaie de se renouveler. Donc pour l'instant, c'est toutes les semaines. Bon, il y aura les vacances scolaires où ça sautera un petit peu, mais euh, sinon, voilà, on va essayer de, de vous fournir du contenu riche et intéressant. Donc, bah, écoute, je crois bien. que j'ai tout dit. Est-ce ah ouais. que euh, normalement, sur euh, quand vous irez sur notre site, vous avez le lien en fait vers nos, nos principaux euh, profils, nos plateformes de formation? On et maintenant, tout en bas. Et ben, on va passer aux questions réponses, les amis. Eh ben Alors je parti. sais qu'il y en a qui sont déjà partis manger. Hein. Vous avez de la chance, moi aussi, j'ai faim. Ouah, François, il y avait le Thomson Théo 7, Jacques. Euh, ouais. Ah, mais je, sais, je connais les, les intervenants là. Je, je sais que ça discute all uh, school. Ah, ouais. Pour le 36-15 Weby, est-ce euh, qu'il y a des gens. Est-ce qu'on peut réagir dans le chat Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent le Minitel <laughs> Est-ce que vous pouvez mettre oui ou non Est-ce que les gens ont connu <laughs> le Minitel dans le chat? Ah yes il y en wow. en a un paquet bah donc, c'est cool, c'est et cool, euh, vous allez pouvoir <laughs> retenir facilement le code. <laughs> yes! Ouais, ouais, ouais. Il ah, n'y a, eh ben y a ouais, que des vieux ici. Quoi. Merci, François. Ouais, c'est cool. 3615, bah, qui n'en veut. Bah, ouais, les, les, les... Ah non, 3615, qui n'en veut, Caroline, c'est pas les inconnus. <laughs> c'est les déchiens. Avec Bruno Locher. Euh, Thomas nous dit pour l'inscription du webinaire, Oula, ça va trop vite. Il sera disponible à partir du, du prochain webinaire. Non, 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 la, non. L'inscription, il, hein. euh, il est dispo, ouais. On va le balancer tout de suite. Je ne sais pas si vous les voyez. Non, euh... mais regarde, Thomas, sur la, la, la slide que j'ai mise, inscrivez-vous enfin, sur Cadop Fusion. Tu vas sur le site et tu peux t'inscrire direct au prochain webinaire. Tu recevras normalement par mail. Je crois qu'on a fait ça correctement, Vincent. Euh, oui, ouais, c'est ça. Euh, tout le monde devrait recevoir euh, ouais. la confirmation. C'est ça. Et ce ouais. soir, vous aurez le lien. De toute façon, si vous oubliez, euh, vous aurez un mail avec le replay, le lien pour, euh, pour accéder euh, à l'inscription et tout ça. Yes. <laughs> euh, tiens, Didier, tu, il demande est-ce qu'on peut extraire des données sur SketchUp. Ouais, tu peux faire, en tout cas, tu peux faire des, tu peux générer des rapports, c'est-à-dire que tu peux euh, faire un tableau, un petit tableau Excel, où à l'intérieur tu peux euh, lister en fait le nombre de composants. Euh, par exemple, tu fais un, je sais pas, tu fais un, euh, tu fais un meuble, tu peux, euh, tu peux quantifier le nombre de planches, par exemple, de ton dressing que tu que tu que tu souhaites, euh, tu souhaites utiliser. Tu peux sortir les, les surfaces aussi. Enfin, il y a il y a plein de choses. Ouais. Euh, il faut souvent ce genre de webinaire, nous dit bye dame. Ben ouais, on va, on va y mais aller, ouais. on va y aller dans la bonne humeur. Puis Toutes les semaines. Comme on, hein. on vous dit, on est, il faut bien qu'on vous propose des, des, des produits à vendre, à vous former. D'ailleurs, on est, on est, on est, est confiant sur les, sur les projets. On est, ouais. non, mes, mes, mes formations marchent très bien. mais mmh. On n'est pas des, des marchands de tapis. On essaye vraiment. <laughs> Désolé, non, mais c'est vrai. Hein. Moi, je suis cash. Moi, je suis cache, Fred. Et j'ai vraiment envie de vous montrer, euh, enfin, de nous montrer de. Bah, des, des, vous donner des infos, des conseils, et qu'il ouais. y ait de plus en plus de, de gens. Euh... Et en fait, sur une heure, ce qui est cool, c'est qu'on peut centraliser euh, les questions et les réponses. Moi, moi, des mmh. fois, je vous cache pas que sur une semaine, j'ai pas le temps d'aller répondre sur tous les forums. Là, on fait une thématique et on peut répondre assez rapidement. Euh, mmh. J'ai une question pourquoi les plans sur SketchUp et non pas sur Layout Bah parce qu'en fait, tu dessines d'abord sur SketchUp, sur Layout, tu peux pas dessiner. Enfin, tu peux dessiner à l'échelle, mais c'est galère. Et en plus de ça, on peut euh, comme sur Archicad et Revit, sur SketchUp, on peut, on peut partir d'une maquette 3D. Et de cette maquette 3D, on peut faire des plans de coupe et, et éditer nos plans. Et moi, j'ai plein de formations et je pourrais vous montrer plein d'astuces. C'est-à-dire qu'à partir de votre maquette, vous faites un plan sur layout. Et dès que vous bougez la 3D, ça bouge aussi sur le plan. Et ça, il faut connaître l'astuce pour que ça fonctionne. Euh, Wendy me fait de l'autopromo pour Sophie. Ouais, c'est cool. Ouais, ça c'est mon site. Euh, y a-t-il un plugin, Périsou SketchUp, de décomposer le meuble et de les avoir à plat en quantifiant le nombre de pièces Ouais, François, je crois que ça existe, mais je ne l'ai pas en tête. Il faudrait que je demande aussi à mon ami euh, Jacques Vernet qui est là. Et Jacques, on va le faire venir, un, un de ces quatre, tu vas voir, c'est un. C'est mon géo trouve tout. <laughs> Didier, existe-t-il des modèles de fenêtres ou portes pour les plans 2D dans la warehouse de SketchUp euh, Ouais, il en existe, mais je vais sortir un pack euh, d'objets 2D tout fait. Comme ça, vous aurez pu vous embêter. Mais, mais voilà. Un webinaire des plugins SketchUp, Annie, ouais, ça wow. sera. Je pense qu'il va, il va y en avoir. Hein. Pourquoi pas? En quoi SketchUp et AutoCAD sont-ils compatibles, Benjamin ben En fait, tu, euh, tu peux par exemple faire ta maquette 3D sur SketchUp, tu fais une coupe, et en fait, la coupe, tu peux directement l'exporter en DWG dans AutoCAD. Donc c'est vrai que. Euh, moi, j'ai des élèves, en fait, qui, euh, quand ils faisaient leur, leur projet d'examen, qui, euh, qui étaient en speed et euh, qui n'avaient pas le temps de dessiner sur AutoCAD. Donc, en fait, ils faisaient leur meuble. Ils faisaient les différentes vues 3D. Et ces, et ces vues 3D, tu peux les exporter dans AutoCAD. Et AutoCAD, il récupère tous les traits de dessin des WG. Euh, donc, voilà. Et donc, on peut importer aussi un plan dans, dans, AutoCAD, dans, dans SketchUp pour faire la 3D. C'est assez, euh, assez euh, réversible, n'est-ce pas? Bon, Ryan il retourne sur Solidworks, aménage une caravane de luxe. Bah, bah, bon merci courage Ryan. Hein. C'est cool. <laughs> non, c'est top. Euh, L'inverse est-il possible aussi? Non. on peut dessiner sous tout cas en 2D, importer le plan à plat dans SketchUp. Exactement, François, bien sûr. C'est tout à fait possible. Euh, D'ailleurs, c'est oui, c'est la c'est la. Si on veut, si on veut avoir un plan vraiment avec toutes les normes, c'est les traits épais, euh, les traits de coupe. Les pointillés, etc. Dans AutoCAD, faire un plan vraiment euh, pré-imprimé et après passer à la maquette, c'est possible. Par contre, ce qui galère, et un jour, putain, imagine s'ils le font, ce serait bien de pouvoir euh, exporter dans, dans SketchUp, faire la maquette 3D et dès que mmh. tu bouges un mur dans SketchUp, ça, ça bouge ton plan 2D dans AutoCAD. <laughs> Mais je euh, crois pas trop. Non. Bah, <laughs> non, c'est. Pourquoi est-ce Ah, parce qu'il y a Revit derrière. Ouais. Non. Ouais, c'est ça. Et puis il y, y a du pas boulot. C'est toujours ouais, mmh. C'est pas les mêmes, c'est ça. C'est toujours le même problème. Hein. François, il dit que AutoCAD, c'est moche. Ah, ça dépend du point de vue. <rire> 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 ah, non, non, si on est ouais. bon et qu'on paramètre bien le truc, on a des plans super pros, mais bon, c'est un logiciel. De Salut Marie, bon appétit à toi. François nous <laughs> dit que les couleurs sont horribles. Euh... Ah... <laughs> Existe-t-il une extension pour modéliser les portes et les fenêtres données dans SketchUp euh, Pas à ma connaissance, mais par contre, on peut se créer des propres. Oh ouais. des tu, tu vas faire dynamiques. des composants, hein, c'est ça, Fred. On va se faire des composants et des blocs, euh, puis on les diffusera. <laughs> Merci à tous les deux. Est-ce que la formation Fred, dessiner vos plans avec SketchUp, euh, est la même que sur tuto.com Non, elle est différente. C'est un pack que j'ai fait euh, qui, euh, qui rassemble plein de vidéos que j'ai déjà faites avant. Euh, le plugin pour passer de 3 d en hein, plan pour chaque pièce et passer sur commande numérique. Ouais, c'est Super Jacques qui a répondu. Waouh, waouh, waouh. Ok. Ah, bah Julie, elle me met, elle me met le, le lien. Ouais, c'est celle-là. Exact. De toute façon, il y aura, y aura tous les liens sur la page cad Fusion. AutoCAD, c'est puissant. Désolé, oui, le petit homme bleu n'est pas présent. <laughs> ouais, mais c'est ça. C'est que, en fait, on, vous savez, euh, c'est des logiciels qui ne s'adressent pas à la même cible. Euh, moi, j'ai été séduit par SketchUp. Euh, Vincent, il a été séduit par AutoCAD direct parce que, mm. bah, déjà, je pense que quand il a fait ses, sa formation, bah, euh, on, il a été convaincu. Il avait un bon gourou. <laughs> c'est ça. <laughs> non, mais c'est voilà, c'est AutoCAD, c'est parfait pour euh, un métier de dessinateur-projecteur de comme comme Vincent. Ouais. Après, il y a des métiers qui sont un peu hybrides comme euh, mm. comme Archie ou Archie d'intérieur. Où c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, et puis moi, je, je, je le sais un petit peu, c'est vrai qu'AutoCAD, à la base, ce n'est pas du tout fait pour faire de l'architecture. À la base, c'est un logiciel qui a été vendu dans les années 90, euh, au départ pour faire de la mécanique de précision, mécanique générale. Et puis, vu qu'à l'époque, les, les architectes étaient sur planche à dessin, en rotring, etc., euh, il leur, quand on est passé à l'informatique, il a bien fallu un logiciel de départ. La Genèse, je ne sais pas si vous avez tous lu la Bible, mais... Euh... <laughs> Euh, à la genèse, il n'y avait, euh, avait pas de logiciel pour, euh, pour faire ses pour faire plans, etc. Donc, on leur a vendu, les Américains leur ont vendu AutoCAD. Et, oui. et depuis, et durant, je ne sais pas, 20-25 ans, AutoCAD a été le, le leader sur le marché, notamment dans les métiers de, de l'architecture. Et c'est vrai que depuis 15 ans maintenant, il y a plein de logiciels qui émergent, et notamment avec la 3D, il y a plein de possibilités. Donc, c'est ça qui est cool. Et moi, c'est oui. là-dessus que j'ai été séduit en 2006, quand je suis arrivé sur SketchUp. Le logiciel est trop bien, il me faisait penser à Photoshop avec la petite barre à gauche. Donc, aussi des affinités. Euh, de jouer avec des textures, les ombres, c'est hyper rapide. Quoi. Revenons au chat. Allez. Euh, Valérie, alors, moi je suis une artiste. Bah ouais, parce que tu dois écouter, euh, tu dois utiliser SketchUp. Est-ce <laughs> qu'on peut utiliser les plans de coupe 3D dans SketchUp pour modéliser un plan 2D Ouais, carrément. Beaucoup généralisé dans le domaine du VRD, je vais mettre. Avez-vous testé AutoCAD Archie euh, Est-ce que oui. tu as testé toi AutoCAD Archie moi, non. Non, je n'ai pas testé. Mais il paraît qu'il est bien. <laughs> Après, ouais. Archicad est quand même mieux, je pense, que Autocad ouais, Archie. Ouais. Ouais. Autocad Archie, je pense que c'était juste avant euh, l'apparition de Revit. Ils ont dû ouais. répondre à la demande. Je pense, ouais. ouais. Ah, par contre, on ne peut pas importer de PDF dans la version Windows. Oui, on ne peut pas importer de PDF dans, euh, dans, dans SketchUp, mais on peut transformer le PDF en un autre format sur les sites de conversion, vous savez, comme ouais. Convertio, là. On peut taper PDF ou DWG, par exemple. Et si un DWG dans le PDF, le PDF, il ne faut pas oublier que c'est un, un contenant. Euh, et donc, on peut, on peut ressortir ça. Fred, comment accéder à la formation, les plans avec SketchUp Eh bien, Sophie, tu as le, si tu vas sur le lien Cadop Fusion, tu as tout sur la page d'accueil. Donc, tu vois, j'ai mis par rapport au webinaire, j'ai mis les, les, les formations qui étaient liées à, à ce qu'on disait. Ah ouais, euh, ah ouais. Ouais, Jacques, c'est vrai qu'on peut, peut importer sur Mac des PDF sur SketchUp. Mais de toute façon, il y a, y a pas mal de possibilités. Euh, plugin possible sur SketchUp pour avoir les vues d'un groupe en 2D. Ah, Patrice, ACAD Archi n'a pas évolué depuis environ 4-5 ans. Avant, c'était pas trop mal, mais aujourd'hui, s'il vous plaît, faites du vite ArchiCAD ou Allplan. Alors ouais. là, c'est unanime, là. Ouais. <laughs> bah ouais. Alors on pas traiter que, ouais. tout, mais Revit, je pense qu'on en parlera après. Archi... Toi, tu parleras peut-être un peu d'archicade. Moi, Alplan, je l'ai utilisé, Alplan. Hein. Mais ah le non, problème, bah je ne vous compliqué. parlerai pas d'archicade, je ne pas l'utiliser, ah ouais. mais par contre, nous, on est, on est vraiment là pour... Euh, on pourra l'ouvrir pour rigoler. Mmh. Mais il ouais. y a plein de solutions. Ouais. Euh, on pourra vous montrer Picon Planner. C'est juste hallucinant, Picon Planner. C'est mmh. gratuit, mmh. Euh, ça, permet, euh, ça permet de faire plein de trucs. Euh, ouais. faire... C'est un espèce d'archicade de, de ou Revit Junior, en fait. Et en fait, il y a plein vrai. de logiciels qu'on ne connaît pas forcément. Et on va vous faire des, petits, euh, des petites démos. Mac, ouais. c'est bien, mais pour les rendus, c'est frustrant. Ouais, bah de toute façon, les amis, euh, moi, nous, on n'est pas la team Mac. Hein. Euh, désolé, hein, si vous avez un Mac, euh... alors j'en ai. Hein, J'ai eu des Mac. Mais euh, aujourd'hui, c'est vrai que euh, les logiciels... Alors moi, je, je prêche. Euh, pour ma paroisse, c'est vrai que la putain j'ai dit Bible et prêche pour ma paroisse. On va croire que je fais bien. La... C'est ça. Amen. Amen. Euh, non mais euh... je sais plus ce que je voulais dire d'ailleurs. Je sais plus. Je... je sais plus ce que je voulais dire. Mais euh... que t'étais pas pour Mac, c'est ça. Hein ah ouais. <laughs> C'était pour moi si parti tu moi, suivais. Là ouais, c'est ça. <laughs> non mais. Euh... Alors euh, quand on, non, non mais quand on met on met un pied euh, sur euh, dans les logiciels CAO ou 3D, on mmh. se rend compte déjà tu vois AutoCAD ils ont mis un peu de temps pour sortir la version ah ouais. Mac. C'est clair. Et même Mac c'est pas terrible sur euh, AutoCAD sur Mac est pas top, je crois. Bah, il est pas... Si, 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 il est, il est hyper séduisant, mais le problème c'est qu'il n'y a pas toutes les fonctions. Exactement, tu peux pas tout faire. Mmh. Ouais. C'est ça qui est ballot. Et euh, et puis bah nous euh... Moi, SketchUp est rendu photorealiste. aujourd'hui. En fait, tous les logiciels en fait, sortent d'abord sur PC, sont optimisés pour PC, pour les cartes graphiques. Moi, j'utilisais Enscape, c'est juste une tuerie. Ben, je vous ferai une démo sur Enscape. Euh, et, euh, et donc, voilà, il faut, il faut du PC, il faut une bonne carte graphique. Et ouais. c'est vrai que Mac a beaucoup de mal encore. Pourtant, il y a les puces M1, M2. Eh ben, je, je suis allé voir encore dernièrement sur les forums. Euh, les gens qui ont acheté des MacBook Pro avec des, des puces M2 ou M2 Pro, ils sont encore en train de se plaindre parce qu'ils euh, bah, ne peuvent pas installer Twinmotion dessus. Ça plante. Enfin, euh, c'est assez lamentable. Donc, euh, en sécurité, moi, je vous conseille vraiment de ne pas trop euh, vous attarder sur Mac et pas trop, euh, pas trop investir euh, si vous faites du SketchUp parce que, euh, bah, parce que derrière, euh, SketchUp, bah, c'est hyper ouvert. Franchement, hein, mm -hmm. c'est un truc de malade. Tu as des, des 5 renders logiciels gratuits sur SketchUp euh, qui marche sur PC. Tu as Twinmotion qui est gratuit sur PC, Enscape, euh, même si Pierre n'aime pas Enscape, je comprends, <laughs> j'aime euh, pas Enscape, euh, bah en fait il est, euh, il est à la ramasse sur Mac, quoi. enfin ils ont développé une version euh, Mac si tu veux Enscape, mais euh, bah, il manque encore plein d'options, mmh. on va croiser les doigts pour que ça fonctionne. <laughs> Donc voilà, pour... voilà les amis, bon, bah, je crois que, je sais pas, tu as des choses à rajouter toi non, bah juste savoir si vous avez d'autres questions. Est-ce qu'on a répondu à votre question quand même sur les logiciels Est-ce que vous savez à peu près vers quoi vous allez aller Peut-être Dites-nous en commentaire. Est-il possible de travailler avec des coordonnées géoréférencées sur SketchUp Bah oui, en fait, sur SketchUp, tu as la possibilité d'importer des plans géopositionnés qui sont liés à Google. Google Maps, enfin, ils ont, ils ont changé pas mal de, de, de références. Mais euh, tu peux importer euh, ta parcelle si tu veux. Tu appuies sur un bouton, tu as le relief de ta parcelle et tu peux commencer à dessiner. Donc, ça, c'est top. Les rendus TR Render et VRS sont très bien sur Mac. Oui, je suis d'accord avec toi, François. Le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, il y a, y, a y a le photoréalisme en temps réel. Il y a l'immersion avec Casque VR, etc. Alors, moi, je ne suis pas trop pour Casque VR. Mais quand tu vois que tu peux vraiment, dans ton projet, te balader comme dans un jeu vidéo avec tous les effets, et eh bien Mac, ils peuvent aller se rhabiller. Bon, après, euh, je ne veux pas foutre le bazar, hein, mais euh... <laughs> je suis tellement frustré et rageux quand j'achète un, un Mac et, et que je vois que derrière, je ne peux pas utiliser toutes les possibilités, que ça me, ça me rend fou. Euh... Donc, bah, écoute, euh, bon appétit, Pierre. <laughs> bah, écoutez, les amis, euh, si on n'a pas d'autres questions, bah, on, va, on, va, on va fermer le... On va fermer le... le, le... Le webinaire. Ouais, bah en tout cas, merci. Vous êtes encore 53, donc super, vous êtes restés jusqu'au bout. Donc euh, super. Bah merci beaucoup à tous. Hein. Ouais, merci beaucoup. C'est quand le rendez-vous au Troquet du Coin? Ah, bah on, en fera, <laughs> on en fera en virtuel. On va refaire un lien. Bah, bah, carrément. <laughs> merci Et puis vous pourrez revoir le. Merci Cécile. <laughs> merci Cécile. Vous pourrez voir le replay, hein, bien sûr. Et puis n'hésitez pas à vous inscrire surtout. Hein. Inscrivez-vous ouais. sur le prochain webinaire. Comme ça, euh, vous aurez la démo de SketchUp. Donc, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont peut-être sur, euh, sur AutoCAD et qui voudraient euh, voir la 3D. Et puis, euh, bah, bon appétit. Ouais, bon, bon appétit à. à tous. La prochaine fois, ça sera un peu plus tôt. Ce sera 11h midi. Bah ouais, cool. Et puis, euh, et puis voilà. Hein. Voilà les amis. Donc, euh, Super. si vous avez un souci, bah, vous pouvez nous contacter. Je pense que si vous tapez euh, euh, Fred Lamy ou Vincent Caviotto sur Google Word, vous tombez sur nos sites. On va tout faire pour pouvoir vous harceler par email. <laughs> pour avoir le replay. Bah oui, parce qu'en fait, euh, ça va être la question récurrente. Oui, mais le replay, il est où Le lien, c'est où? Donc, on va, on va vous envoyer, ne euh, vous inquiétez pas, ouais, ouais. Le, le lien. Et ouais. puis, bah, bon après-midi de travail, d'amusement, je ne sais pas. Euh, c'est la grève aujourd'hui. Donc, euh, pour ceux qui sont euh, tributaires des transports, bah, bon courage. Ou alors, euh, restez chez vous. Et puis, bah, je vous souhaite euh, Vincent. Merci d'avoir participé à ce premier webinaire riche Fred, en émotions. Merci, merci à toi, Fred. Puis, on attend le prochain sur SketchUp. Hein, je te oh. poserai plein de questions. Et puis, bah ouais. surtout, euh, tout le monde. Hein. Je serai là pour relayer les questions. Ce sera top. C'est ça. Tu vas prendre <laughs> des trucs en plus. Tu vas, tu vas ah ben, avoir de la formation gratuite. Je vais cool. devenir un artiste, moi aussi. <laughs> <laughs> C'est ça. Allez, salut les amis. Allez, salut. À, à bientôt. bientôt. Bye bye.